cuisiner avec moi une recette de tacos de poisson pour souligner le superbe travail d'un lauréat d'UX 2014, le groupe Compass. Le groupe Compass est reconnu pour son programme de saines habitudes de vie qui s'appelle « L'équilibre avec vous » et de plus pour son offre de produits alimentaires améliorés pour ses clients. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin d'environ 1 kg de filet d'aigle fin, 20 petites tortillas de maïs de 6 pouces, une demi-tasse de guacamole, une tasse et un quart de pico di gallo et de la sauce piquante au goût. Pour la salade de choux, vous aurez besoin de 425 g, environ 1 livre de mélange de salade de choux, 70 g d'oignons rouges ciselés, un quart de tasse de coriandre fraîche hachée, le jus d'une lime et une cuillère à soupe d'huile de canola. Pour cette marinade, voici les ingrédients. Le jus de deux limes fraîches, 2 cuillères à soupe d'huile de canola, 1 cuillère et demie à thé d'ail écrasé, 1 cuillère à thé de cumin moulu, 1 cuillère à thé de poudre de chili, 1 cuillère à thé de paprika, 3 quarts de cuillère à thé de poivre noir moulu et 1 demi-cuillère à thé de sel. Première étape pour la recette de tacos de poisson, c'est de faire notre marinade. Je viens verser celle-ci sur mon poisson et je laisse mariner pendant 15 minutes. Donc, dans ma poêle ici anti-adhésive, chaude, je viens mettre un filet d'huile d'olive et je viens tout simplement faire cuire mes morceaux de poisson que j'ai égoutté de la marinade dans une poêle bien chaude. Je m'assure de venir mettre les morceaux de poisson distancés un de l'autre. Ce que ça va faire, c'est que ça va me faire une cuisson uniforme avec des morceaux de poisson bien dorés et non bouillis. Et des cubes de poisson comme ça, ça cuit rapidement. 1 à 2 minutes par côté et le travail est fait. Mon poisson est cuit. Je le retire de ma poêle. Je suis prête à faire l'assemblage des tacos. Et tout d'abord, j'ai pris un peu d'avance, hein? J'avais préparé préalablement mon pico di gallo. Pico di gallo, c'est un mélange de tomates coupées, d'oignons blancs et de coriandre. Et j'ai fait également une petite salade de choux. Un mélange de choux, des oignons rouges, un peu de jus de lime, quelques gouttes d'huile de canola et c'est fait. Quand vient le temps de présenter, vous savez, nous, l'assiette blanche, c'est trop ordinaire. Pourquoi pas venir faire notre présentation de tacos de poisson dans un beau vieux cabaret de bois qui est très, très rustique, qui me donne un côté mexicain un peu. Je vais venir déposer les tortillas de maïs dans le fond de mon panier. Je viens déposer mes garnitures autour. Vous allez voir, quand c'est le temps de se servir, c'est super génial. Soit qu'on vient prendre nos morceaux de poisson qui ont été marinés. Donc ici, là, le petit jus de marinade, j'aime ça le prendre puis venir le mettre au fond avec mes morceaux de poisson. Je vais venir mettre mes garnitures préférées. Donc ici, la salade de choux. Regardez comme c'est convivial. Vous mettez ça sur la table. Les gens se servent eux-mêmes. La fête est commencée, c'est sûr et certain. Un petit peu de pico di gallo, de la petite guacamole. Puis on finit ça avec de la belle coriandre fraîche. Quelques petites gouttes de jus de lime. Ça, c'est des soupers comme j'aime.